Sigurðarson, attention, ça va quand même arriver chez Labo, essaie de se retourner. Et il y a une frappe derrière, Shinton se trouve, c'est 0-1. C'est 0-1 pour l'Union Saint-Gilloise. Mais voilà, la première réelle possibilité de but termine au fond pour les unionistes. Maximum d'efficacité. Le club Next est puni en dessous des gants du malheureux Nick Shinton. Il n'en demandait pas tant. Elle est pas mal la talonnade. Sigurðarson qui retrouve Undaf. Centre d'Undaf, intéressant. Reprise. Oh, ça termine au fond. Catastrophe pour Shinton. Et malheureusement, il va porter le bonnet d'âne sur les deux buts que son équipe a encaissés aujourd'hui. 0-2, but de Van der Heijden. Était au mauvais endroit, au mauvais moment, tout simplement. Ouais, 0-3, ce serait lourd. Hein. Avant le repos. C'est parti. Yeah. Ouf, Shinton, cette fois, il se rachète. Et on n'arrive pas bien à se dégager, c'est 0-3. C'est 0-3 pour l'Union Saint-Gilloise, c'est Jonas Bagger qui a repris ce deuxième ballon. Eh bien, le presque 100% d'efficacité se poursuit. Hein. Ils se sont emmêlés les pinceaux, les deux brugeois. On ne peut pas faire de cadeau comme ça à une équipe championne. Vermaan Theodor, oui, ont hésité. Hein. Oui, on sent que l'Union affiche ses intentions dans ce début de deuxième période. Pourquoi ne pas aller chercher leur plus grande victoire de la saison en déplacement. C'est pas mal, il est tenté peut-être à distance, il a de l'espace pour frapper, c'est 0-4, ben oui, c'est facile hein, finalement. Voulant laisser une fenêtre de tir, il s'y engouffre et il plante le but. 0-4, cette fois-ci Nick Shinton ne peut rien faire. Bah, décidément, on a droit à des buteurs qu'on n'attendait pas vraiment aujourd'hui. C'était peut-être, voilà, là, malheureusement pour le club Next. C'est un pénalty et c'est Kevin Kiss pour le donner pour un nouveau but. Et oui, c'est au fond. Contre-pied sur Jonathan Deby avec un joli nom d'oiseau là, quand le ballon a franchi la ligne fatidique. 0-1 pour l'Omel, Kevin Kiss. Enfin, Kevin Kiss sur penalty. Et Jordi Vermeeren qui donne le coup de sifflet. C'est parti pour... Oh, Kevin Kiss s'est dévié. C'est dévié par le mur et c'est 0-2, le doublé pour Kevin Kiss. Et ouais, pas de chance là vraiment pour Jonathan Deby avec ce pénalty, désormais ce coup franc qui a été touché je pense par Mehdi Terki dans le mur bruxellois. C'est évidemment d'aller mettre un 7e but. Nicolas Romens, le capitaine, Grimshaw en face de lui, c'est parti et c'est extrêmement bien placé. Nicolas Romens qui réduit l'écart et qui relance cette rencontre. Le capitaine Molenbeekois qui n'a pas laissé passer l'aubaine du club avec Rocha et Nzuzi grâce à ce pénalty. 1-2, le match est relancé. De cette deuxième mi-temps, c'est Diego Rosa qui va le donner. Sors, sors. Ouais, c'est rentrant, la reprise de la tête, ça termine au fond. Ah, la nouvelle phase arrêtée, décidément c'est Kadiri qui a mis cela au fond. Un pénalty, un coup franc, maintenant un corner pour l'Omel qui refait le break après 4 minutes. Et puis c'est Kadiri qui la met au fond, effectivement. Jordan Kadiri qui fait un 3. C'est pas efficace. Moreno Galdé, on n'hésite pas à les combiner dans les petits espaces du côté de l'Omel. Franchement, c'est très attrayant. Et Festion, lui, a décidé d'y aller tout seul. Pourquoi pas en puissance. Thomas Festion qui a le soutien maintenant de Glenn Klass. Glenn Klass qui doit centrer. Premier poteau, Nzuzi, ça doit être au fond. Et ça y va. Kevin Nzuzi, c'est un but absolument remarquable des Bruxellois. 8e but de la saison pour Kevin Nzuzi. Qui a la bonne conclusion, le bon geste, le contrôle qui se retourne et frappe. Grimshaw. Par Verskuren, mais pas fautivement. Marlos Moreno et Van den Bogart qui va gaiement pour le gêner. Terki, Marlos Moreno qui passe. Ouh, Zarouri qui a beaucoup d'espace sur son flanc gauche. Anas Zarouri, et c'est goal. Ouais, ouais, beaucoup trop de liberté laissée à Anas Zarouri qui marque une nouvelle fois contre l'RWDM. Ça lui réussit bien, forcément. 6e but dans ce match. 4e pour l'Omel qui mène donc 2-4. Anas Zarouri.
mais toujours en train de discuter. L'entraîneur molenbeekois, ça ne changera plus grand-chose. Hein. 2-4 ou 2-5. Kevin Kiss, contre-pied une nouvelle fois. Triplé pour Kevin Kiss. Ça n'a pas dû lui arriver souvent, ça, quand même, dans sa carrière de défenseur. Kevin Kiss pour le 2. Et donc, 7e but dans un match extrêmement spectaculaire que Lommel va remporter. 2-5. Kevin Kiss. Pas pensé au départ de Brulz, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Čiček, ah, bel effort d'Atabé Čiček qui se fraye le chemin du but tout seul et qui offre le but à Vassen, le remplaçant de Veto Kele, blessé en première mi-temps, qui marque son premier but. Vassen, opportuniste en renard des surfaces, et qui la met au fond pour le 0-1. Western.